Bonjour Claude, vous êtes directeur de l'imprimerie Hoveheid. Bonjour Franz, vous êtes directeur de l'entreprise Calibel. Bonjour Christian Allard, vous êtes directeur de la Fédération des campings de Wallonie. Bonjour Pierre-Alain Thibault. Bonjour. Vous êtes directeur des circuits de Spa-Francorchamps. Bonjour Laurent, vous êtes directeur de Delicious Touch. Qu'attendez-vous de cet événement Meet in Liège? Ce que j'attends, c'est vraiment des rencontres avec le secteur B2B. Pour mettre en avant ce que nous on préconise sur les événements, c'est-à-dire les artisans. C'est clair que le premier élément qui est important pour nous, c'est la visibilité. Hein. C'est la rencontre de toute une série de clients qui sont déjà clients chez Jovier depuis de nombreuses années, mais aussi de nouvelles têtes, de nouveaux clients et bien entendu aussi des fournisseurs. Quelques contacts intéressants et des retombées. Ce qui, pour le moment, se passe très très bien. Donc, on a eu des contacts intéressants. Beaucoup de contacts au niveau de tout ce qui concerne un petit peu la communication, les multimédias, les sociétés qui vous permettent de faire vivre à la fois un événement, on en fait quelques-uns l'année au sein des campings et des attractions, mais aussi de la reconnaissance, du réseau, des nouvelles activités, des nouveaux campings, car on est en plein boom au niveau du tourisme de proximité, mais aussi des mutations, des masses de touristes qui arrivent à la fois chez nous, d'autres pays, et de gens qui partent de plus en plus pour un week-end, pour un short trip dans des régions de belles provinces, comme la province du Luxembourg au niveau touristique, et également la province de Liège n'est pas en reste à ce niveau-là non plus. C'est un événement de networking, donc ce qu'on en attend, c'est de rencontrer un maximum de monde, et l'objectif en ce qui concerne le circuit, c'est de positionner le circuit en tant que centre de congrès, de séminaire, et donc principalement de faire savoir aux sociétés de la province de Liège que l'on est là aussi pour accueillir des séminaires, des events, des incentives, etc. Que pensez-vous de cet événement Meet in Liège? Écoutez, c'est fortement sympathique. C'est formidable de se retrouver sur le stade du Standard. Et voilà, c'est extrêmement bien organisé. Et je pense que c'est une manifestation efficace et sympathique. Eh bien, j'ai participé à l'événement précédent et je trouve que celui-ci est vraiment top. Évidemment, ça dépendait de la météo, qui est fabuleuse. Mais l'organisation générale, je te félicite la Chambre de commerce. Franchement, c'est top. Ah, aujourd'hui, il est exceptionnel l'événement. On a même le temps avec nous, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Donc tout le monde était inquiet. Aujourd'hui, on a une température qui frôlait probablement les 26-27 degrés. Tout le monde a le sourire et donc c'est fantastique. C'est très, très convivial. Superbe. L'idée est un peu folle, faire ça sur le terrain du Standard, c'est un peu fou, mais bon, voilà, Paris réussit et chapeau. Ben c'est un événement, je dois dire, assez extraordinaire. Déjà, rien que le fait d'être dans le stade de Sclessin, le temps est revenu au beau fixe, ce que bon nombre de membres, tous nos membres au niveau du camping, vous vous en doutez bien, attendent pour tout l'été. Et on est enfin au départ d'une saison que j'espère que sera sous les meilleurs auspices en tout cas. Est-ce que c'est une expérience que vous recommandez aux entreprises liégeoises? Certainement. Je suis content d'être venu pour la troisième édition, mais je crois que si la majorité des entreprises liégeoises au niveau des secteurs de pointe étaient là, il est bon que d'autres personnes extérieures à la province viennent un peu se rendre compte de ce qu'on fait ici, sur le terrain, sans mauvais jeu de mots, à Liège et à Sclessin-sur-Croix, qui est quand même un des fiefs les plus connus pour tout un chacun, et à l'Ailé Rouge. Absolument. Franchement, je recommande ça à 100%. Parce que ça permet peut-être pas directement ici sur le salon de faire des contacts. C'est des contacts sur le salon, mais par après, je pense que c'est un travail qui doit se faire aussi par la suite. Et je recommande vivement parce que c'est top au niveau de Liège. Aujourd'hui, je veux dire que je le recommande très chaudement, particulièrement aujourd'hui. Nous, c'est la deuxième fois qu'on vient. Donc on est allé l'année passée au Guillemin. Cette année-ci est encore plus extraordinaire que la première. Donc voilà. Bravo, et je la recommande bien entendu. En plus, c'est ludique, amical, fraternel, sympa. En mode liégeoise. À la mode liégeoise, oui. Ouftique et affaire. Alors pour votre entreprise, quelles sont les retombées aujourd'hui? Je pense qu'on a eu quelques contacts, qu'on donnera une suite. Évidemment, la difficulté, c'est toujours de trouver les bonnes personnes, et d'avoir une carte de visite et puis avoir un rendez-vous qui suit. Les retombées, moi, c'était plutôt venir en contact avec des gens qui pourraient m'aider à développer à la fois le secteur, pouvoir me donner des renseignements concernant le développement de mon site Internet, de m'aider dans la communication multimédia, e-mailing, e-marketing, tous ces genres de nouvelles solutions pour lesquelles on a de plus en plus de sociétés, vous l'aurez remarqué comme moi, qui sont présentes sur le marché. Écoutez, les retombées,
C'est les contacts qu'on a pu avoir, c'est les cartes de visite qu'on a échangées. Et bon, les retombées, on les mesurera dans les semaines à venir. Les retombées, ce sont les contacts avec les entreprises liégeoises. C'est notre but. Et évidemment, des contacts et par la suite, des rendez-vous pour présenter notre concept au niveau de Liège. Alors, ce qui est important de noter, c'est que nous sommes déjà l'imprimeur officiel de Meet in Liège. Donc, on a déjà eu pas mal de choses avant. La plupart des sociétés qui sont dans le répertoire sont clientes de l'imprimerie. Et donc, évidemment, bien entendu, c'est de faire de nouveaux clients et de nouvelles connaissances. Bah, je vous remercie, Claude. Merci aussi. Merci à vous.